Eh bien, c'était Guy Malari qui a une note. Il voyait Baï Baoua. Il dit Gonek qui relait. Gauthier le manque avec moi là, qui est Camille Leblanc, qui est dans le cabinet avec moi. Mais là, il a écrit Baoua, il dit qu'il est dans le cabinet avec moi. Ça va veut dire que Camille Leblanc, c'est avocat. Il est capable là pour passer mort. Il est capable là pour nettoyer la cour. Il est capable là pour porter lettre, aller comme secrétaire. Il est capable dans le cabinet comme messager. Parce que son principe de pour nos cabinets, un avocat, cabinet avocat, doit informer Baoua que un individu, un élément qui est avec nous, nous informer Baoua pour vous connaître qui élément ça avec. Moi, je veux que tout le monde connaisse que Camille Leblanc, et un accident, comme pays a plongé, il a plongé dans l'abîme. Jean-Bertrand Aristide, qui a besoin de marcher voler par les gens, a mis Camille Leblanc pour sortir de l'INPA, ministre de la Justice. Et là, Camille Leblanc profite du ministre de la Justice, il profite du ministre, il vole, il pille, il détourne, il tue, il assassine. Et c'est Camille Leblanc qui vient recadrer le matin. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est pour. Parce que Camille Leblanc, il y a un trio. Camille Leblanc, il y a un trio. Il y a un gang. Il loue Kay Pétionville. Il prend un Kay Pétionville. Qui part pour lui, il était logé gang. Moi, à l'époque, nous prenons juge de paix, nous prenons avocat, nous prenons la police, nous délogé gang. Mais nous pas. Comme c'est un bagage conflit et immobilier, ça s'est arrêté là. Mais, comme nous avons pratique en Haïti, si vous n'êtes pas vagabond, ou pas voyou, ou pas délinquant, ou pas aucun privilège de vous jouer, et ou pas populaire tout, ou pas célèbre. Et c'est ça que vous Camille Leblanc capable de rentrer dans n'importe quel salon de Chita, c'est parce que nous venons rentrer dans un siècle. Côté ces voyous, n'a recyclé ces fatras que n'a recyclé et dans recyclage fatra ou qu'a fait plastique ou qu'a fait corbeille avec au fatra ou vient mettre dans salon ou qu'a fait toutes sortes de dans cadre recyclage et c'est ça qu'va l'expliquer Camille Leblanc en dans une série de grandes maisons par rapport avec situation recyclage fatra qui n'a fait dans le pays. Nous gagnons un élément qui relève John Wallace Chéri. John Wallace Chéri, c'est un individu, après qu'on fait ensemble une banou là, nous avons cliqué sur Google, le département de justice américaine, nous avons son évadé, qui participait dans l'assassinat qui jugeait, dans l'assassinat, il fait sur un personnage qui est Guido Evillis. Si nous cliquons sur lui, nous avons besoin de ce monsieur qui assassinait un personnage qui est Guido Evillis, c'était un commerçant. Même John Wallace Chéri, ça, il jouait avec un certain. Nixon Evillis et Cédric Evillis ont formé un gang. Pendant tout le monde connaît, nous sommes en prison, nous ne connaissons pas comment le passer, comment l'échapper. C'est pendant que nous rentrons en Haïti, il a assassiné deux autres familles aux États-Unis. Et puis c'est là que nous avons mobilisé pour connaître, mais pourquoi John Wallace Chéri en prison? Eh bien, messieurs, dames, je ne vais pas demander une parole. L'Allemagne enquête pour qui moun John Wallace Chéri a travaillé. John Wallace Chéri a travaillé pour Camille Leblanc. Qui ça Camille Leblanc fait? Camille Leblanc est avocat Guido Evillis. Monsieur Mouté en gang, il voulait tout Guido Evillis dans un bateau Miami. Camille Leblanc. L'infini, il prend même mon niveau et tout Guido, il fait servir mandaté Nixon Evillis. Qui est-ce qui Nixon Evillis? Nixon Evillis, c'est Camille Leblanc encore qui fait acte de naissance pour lui et puis il balpote non petit, il balpote non Guido Evillis. L'a assassiné Guido, Guido dans vivant li gen yon petite fille. Guido n'est mouri, Camille Leblanc comme avocat li gen t'a créé 8 petites by Guido, mais tous les 8 petites la fait non seulement l'année non seulement mois. 2083, tout ti moun yo fait dans année 1983. Mais voilà que John Wallace Chéri, c'est lui la justice américaine kembe comme dès qui assassiné Guido et lui ça. Pourtant Nixon Evillis, qui moun encore pral bay mandat pour aider le rentrer tout bien Guido Evillis, Nixon Evillis, qui bay John Wallace Chéri mandat. Comment pour nèg, la justice juge ou nèg qui touye papa ou que ou reconnaître papa ou, et puis c'est lui même encore ou bay mandat pour marcher pour tout bien.
Pourtant, il sa Camille fait, c'est utiliser les gens. Alors, ce n'est pas Camille seulement, c'est Camille Leblanc et puis Jean-Henri Seyan. Ils mettent ensemble, ils font acte de notoriété, ils font acte mariage, ils ont marié Guito à une femme qui est Sisi Pierre. Pour nous, les familles Guito connaissent pas de marié, les familles Guito mobilisent avocats. Immobilisé parmi lesquels mettre la grandeur. Les mettre la grandeur viennent connaître le dossier de photocop, mettre la grandeur qui était décidé la beauté qui était cabinet Leblanc. Cabinet Leblanc utilisait John Wallace, il voulait tirer Wallace. Il voulait tirer mettre la grandeur. Qui ça mettre la grandeur, Camille Leblanc fait, même côté Wallace tirer, mettre la grandeur, Camille Leblanc pourri, même joie, là le poser scellé sous compte la grandeur. En comprenant la route devant nos cailles, la grande était dans le cabinet, elle va au courant, elle dit la grande permettre, dit qu'on y a là, elle a quitté le cabinet. Qu'on y a là, m'a montré nous, ça n'est pas fait. Étant donné que Camille était de ministre de la justice, ça Camille fait, Camille peut aller dans l'archive nationale. Elle détruit l'acte, elle est ministre de la justice, elle fait détruire toute trace côté qui a retracé. Petite mette Kaila, petite Guito est venu ça. L'aller dans le ministère de la justice, lui est facile. Nous venons trouver dans l'embarras, nous disons qu'il faut nous faire face carré avec Camille. Premier frère Guito qui vient, il a assassiné. Deuxième frère Guito qui vient, il a assassiné. Troisième frère Guito qui vient, il prend balle, il est obligé de partir aux États-Unis à toute balle là. Katia Hervulus, que monsieur mettait ainsi connu, vini pendant nous l'église Saint-Pierre, il y a le prendre Katia à l'église Saint-Pierre. Heureusement, il n'y a pas de kidnapper Katia, mais il y a la machine Katia quand même. DCPJ pour le jeune machine après combien de jours. Même Guito, même Camille Leblanc, ça, il prend le fait, Félix Sonnevis son mandat. Pour bailler John Wallace, mes mandats. Libéral déclaré que c'est celle Nixon et Vilissa qui quittent Guido. Monsieur Dame, nous ne demandons pas la parole. Camille Leblanc mettait avec Jean-Hissier qui est en vente bien pour nous qui évalue à plus de 8 millions de dollars américains. Mais il connaît son dossier fini. Malchance pour Camille Leblanc, il y a une tentative pour kidnapper Katia une troisième fois. Et puis pour aller au citoyen, ambassade américaine qui prend le relais ou mettre Gilbert Mitil comme avocat, qui dit nous tel monde nous en difficulté de tel côté, est-ce que nous ne pouvons pas aider à nous sauver? Et c'est pour ça que M. Mitil a des très bons rapports avec Mitil. M. Mitil relève et dit, ok, heureusement, nous avons des difficultés, est-ce que nous avons un coup de main? À l'époque, nous avons une base militaire en B12, nous disons, ah, si c'est pour nous sauver, nous pouvons sauver nous. Nous prenons ensemble des militaires dans le côté A, faire près de 2 hectares, 3 hectares pour nous sauver Katia et Vilis. Et puis c'est là que je fais connaissance avec Katia, il va expliquer sa problème. Et puis là, il vient expliquer sa problème. Il dit, mais qui est c'est Camille Leblanc qui veut prendre, qui veut assassiner. Et ça fait troisième tentative d'assassinat au vaisseau. Il dit, c'est comme ça. Il dit, bon, est-ce qu'on veut résoudre le problème? Il décide, oui, il va y avoir problème pour résoudre le problème. Il dit, eh bien, si vous résoudre le problème, il faut avoir un mandat qui légalise mon face pour me porter, pour me faire face carré. Ça, c'est mon mandat. Toi, Katia est venu savant moins. La caïnote, effectivement, il a bon mandat. L'elfe, un bon mandat, malé, mouillé, mettre Gladys Lego à l'époque, je dis, mettre Gladys, ma position en face, mettre Camille Leblanc. Il dit, ah, Camille Leblanc, je ne sais pas, moi, il y a un fret, non? Je dis, pas besoin qu'on l'émission, moi, il y a un fret, il y a un chaud, mais moi-même, je n'ai pas foutu elle. Eh bien, qui ça me s'est fait? Il m'a acheté détruit tout à Katia dans le ministère, dans l'église et l'archive nationale. Malchance pour lui, il n'y a pas qu'à l'église catholique pour la détruire avec des baptêmes Katia et Vilis. Quand je suis allé, je cherchais, je jouais avec des baptêmes Katia, je jouais un extrait d'archive Katia qui n'a pas de jugement. Alors que 8 petits Guito fait, monsieur Guito, tout ces actes tardifs avec des jugements. Eh bien, ça nous fait attaquer. On a attaqué avec Camille, et bien nous venons arriver au dernier côté. Pour nous, nous commençons par possession. Nous caille à partir de maître Montferrier d'Orval. Les mines à tout ça, c'est pour nous. Tout caille, ça,
c'est des titres de propriété Camille Leblanc qui déjà vendent, alors que Kay pas Kay Camille Leblanc. Ils vendent. Ils vendent, ils vendent. Pour y aller, les mecs, monsieur Tandé, c'est mon ferrier d'Orval, mon père comme avocat. Camille Leblanc, il est d'Orval, il m'a dit d'Orval, est-ce qu'elle est pour y être mêlée gants pour le fouet maintenant dit fait ça? Et c'est à partir de là, le mot d'Orval pour le sortir, les livres mettaient Camille Leblanc en difficulté. Comment nous comprenons? Il y a un citoyen qui juge, condamné, qui perd du droit civil et politique, Camille fait des marches. Là, il a des CPJ, il fait, ben, monsieur, permis de bord d'âme. Mais permis de bord d'âme, monsieur. Nous, on a fini notre ça, nous, on a dans Delma 83. À 3h du matin, nous avons 3h, 4h, nous avons certain Nixon, Evilis, Cédric Evilis. Qui envoyait les mêmes, John Walachéry, Nixon Evilis, Cédric, avec trois nègres dans la base vite l'homme que monsieur Albran. À 4 ou vers 5 du matin, ils ont vidé une barrière à tête, ils ont allé au Prado qui m'a gagné dans la cour. Ils volaient Prado. Nixon, Cédric, prend Prado. Nous prenons le juge de paix, nous faisons constat, barrière vidée, nous faisons constat. Les gens qui étaient les nous quartiers, tout le monde, le juge là, est venu déjà, il était machine, non, non, pas qu'il n'a. Il a volé la machine. Il a volé la machine à nos jours. Les juges finissent faire constat. Monsieur tourné encore à Xan pour le tuer dans le quartier. Sous base ça, nous portons plainte formellement, mais la justice posait, ben nous, un mandat, mais décerner des mandats d'amener contre Mounsao qui vient faire tentative d'assassinat sous moi, non premier temps, non deuxième temps, pour n'y aller, yon vin ouè bagay la cop, rapport de police, et qui vin dans l'espace, vin garder ça qui passe dans l'espace. Pour n'y aller, étant donné Camille Leblanc, li pas avocat, li pas qu'on lorsque un moun pote plainte, yon dossier dans le cabinet de destruction, c'est avocat, c'est toujours prendre, ou elle fait valoir l'innocence client. Eh bien, Camille Leblanc montait sur toutes les réseaux sociaux, lui mettait l'aide dehors, il écrit ministre de la justice, pour le demander ministre de la justice, pour le ministre à la guerre, chef gang, que la police tape recherché activement. Dans trois chefs gang, ou bien John Walachéry, ou bien Nixon Evilis, Nixon Evilis sont déportés. Comment, pour qui ça a déporté Nixon Evilis? Monsieur Prenyon dame, un petit frère, a un petit lit. Il fermait nos machines et puis il mettait du feu, il carbonisait tous les trois mondes. En deux machines. Tout vivant. Il finit plus de peine. Il y a qui prend comme petit lit et puis il fermait dans nos dossiers pour dire que c'est petit lit de Révélis. Camille Leblanc. John Walachéry à ma boule. La justice juge lui condamné. Qui moun jodi a qu'il prend John Walachéry dans l'époque? Camille Leblanc. Cédric qui vole les machines, qui fait vol à main en main. Qui moun jodi a, qui a écrit le ministre de la justice pour Cédric pour dire pas de droit, commissaire gouvernement, pas de droit, voyez monsieur dans le cabinet de destruction. Et combien de mandats, monsieur Gen? Monsieur Gen, mandat cabinet de destruction, il y a un mandat parquet d'elle. Voilà que, moun qui oué Camille Leblanc écrit, comme son moun qui écrit l'être là pour lui, et pas lui qui écrit. Il faut que écrit l'être pour lui. Et puis la guerre, voyez écrit le ministre de la Justice pour demander, pour t'a dit, et soi-disant, Rosemont ceci, Rosemont cela. Ça veut dire que je voulais clarifier pour ça pour nous. Je boumé avec Camille Leblanc depuis 2012. Nous nous bataillons. Il fait trois tentatives d'assassinat sur nous. Il met des gangs. Je suis juge Guillou, qui est juge de paix commune de Petroville. Juge Guillou a fait constat, il constate côté monsieur Camille Leblanc, il a pris une dizaine de motos sans plaque en local. Des motos qui sont à faire crime chaque fois le besoin. Peut-être ça, monsieur fait transférer juge Guillou pour montrer nous puissance. Eh bien, comme en plus nos camarades, tu as besoin de connaître, ou après tout ça, ou après c'est nos Dorval de G.I. Bayou. Il va même livrer à Katia Villisson et délivrer extrait à Dorval. Pour qui ça? Parce que il y a près de 10 cailles Camille Leblanc vend. Plus sac dans main, il n'y a pas ni papier, ni qualité, ni titre de propriété.
li utilise Jean Huseyan li fait marché vendre bien moun yo. Comme moi même kounya min servil de yon obstacle, eh bien, li mette lettre, li mette document dans la rue pour scandaliser nous. C'est peut-être ça. Comme moi même tout ça m'a fait, mon gen document à la pluie et mette Camus en défi pour le dire, pour le venir dire pas vendre caillou et puis m'a prend la presse, m'a prend média. Je vais montrer nous tout le cas que M. Vanyo et puis mes titres nommés. Parce que ce scandale, et c'est eux qui ont accès à la justice, c'est eux qui ont nommé le commissaire gouvernement, c'est eux qui ont nommé le juge, c'est eux qui ont nommé celle-là, c'est eux qui ont nommé son logo. C'est peut-être ce matin, hein, nous devons faire une conférence là, pour nous être capables de porter précision pour tout le monde connaît, pour l'opinion connaît, que je vais avec des chefs de gang qui vont être au mandat, pouvoir marcher, voler les choses. Et puis prendre contrôle la justice pour pas gagner. Et là, nous arrivons pour un gun, et bien, ouais, avec audace, sans scrupule, ou avec le ministère de la justice, tu vas intervenir pour libérer des gangs que nous avons, que la justice a arrêté pour vol de nuit à main en main. Et c'est pour ça, maintenant, d'abord, nous faire conférence.